Voilà le carton qui va me servir de gabarit pour découper après le contre-paquet. Là, je vais découper à 1,60 m. Ça va d'une portière à l'autre portière. Maintenant, je vais découper la forme exacte, le plus juste possible, pour reposer sur les comment ça s'appelle ça, je m'en rappelle plus. Enfin, vous verrez. Voilà, après la première coupe, maintenant on va l'ajuster sur place. Mais déjà, ça a l'air pas mal. Alors voilà ce que ça donne. Hein. Alors là-bas, dans le vide-poche, voilà ce que je cherche tout à l'heure. Ça rentre dedans, ça appuie. Là, ça appuie sur le bas du, enfin sur le fauteuil. Là, sur le fauteuil. Et puis là-bas, sous le volant, c'est pareil, ça rentre dans la vide-poche. Et bien, je suis pas mécontent. J'ai mon contre-paquet maintenant, qui a fait mon bout de carton qui rentre parfaitement. Je n'ai plus qu'à découper maintenant ce contre-paquet, le poser sur un contre-paquet et couper mon contre-paquet et mettre des charnières pour que ce soit prépliable. Vous voyez, là où se plie, c'est-à-dire ici, ça va se plier comme ça pour être réduit. Ce côté, il se plie ici, pareil, il va se plier tout long là. Et il va se plier après au milieu ici, c'est-à-dire il va se plier comme ça. Pour le ranger, ce sera plus facile. On va peaufiner tout ça, mais je suis dans la bonne voie. Alors voilà, plié, un exemple là où il peut se mettre. Voilà, un exemple. Hein. Bon, bien sûr, il peut aller aussi dans la soute là-bas, mais voilà. J'ai pas encore calculé où le placer, mais ça peut se mettre là. Ça passe sous le volant et dans la vide-poche. Ça vient se bloquer contre le plastique là. Et ici. Pareil ici. L'accès reste facile. Il n'y a que du bon. Alors voilà le contre-paquet un peu plié de 15 mm coupé. Il s'adapte parfaitement. Il va se fixer, il va se reposer sur le vide-poche d'un côté et de l'autre. Il est reposé ici sur le fauteuil de derrière. Maintenant, vous voyez, j'ai une marque là au milieu à couper. Je vais le couper en deux et je vais faire des trous, enfin, je vais découper des parties là pour alléger le contre-paquet. Là, je vais mettre deux charnières et puis il sera pliable. Voilà, pour alléger le contre-paquet, malgré que ce soit du, c'est comment, du peuplier. Bon, c'est le bois le plus léger pour camping-car. Je l'ai découpé, j'ai enlevé quelques kilos. C'est un peu plus facile à le ramasser. Alors, comme vous voyez, pour la maintenir au milieu là-bas, pour la soulager, j'ai pris un petit tube, j'ai percé. Le tube rentre dans le bois, il est fixé, le bois est fixé au lit
Et le tube, bien sûr, après, il s'enlève pour le ranger. Je préfère faire de cette façon, mieux que de faire des charnières. Ça fait qu'après, j'enlève en deux morceaux. Ça sera moins lourd, beaucoup moins lourd. J'ai pris pour le sécuriser, j'ai mis des boulons hein, avec des dessous, des pavillons démontables. Il y en a un là, il y en a un là au fond. Et là, maintenant, c'est vraiment stable. Ça ne bouge pas d'un brin et c'est parfait. Ça fait qu'à pas se mettre les charnières comme ils mettent là, hein, que ça fait plus lourd, mais j'enlèverai en deux morceaux. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai enlevé du bois pour le rendre plus léger. Là, en deux morceaux, il est amovible. On le range là ou on le range sur le lit là-bas. Et voilà, lit d'appoint pour les enfants. Même à la rigueur, on pourrait dire même deux enfants, il va, hein, tellement que je l'ai fait grand. Hein. J'ai reculé le plus possible les fauteuils. Voilà. Ou un grand enfant ou deux enfants. Voilà, le lit sera rangé là. Il est de côté.